Le Mali en état de guerre. Au lendemain de l'enlèvement d'une trentaine de fonctionnaires à Kidal dans le nord du pays, le Premier ministre Moussa Mara a décidé hier d'envoyer des renforts militaires dans cette zone où s'opposent soldats maliens et séparatistes Touaregs. Objectif, reprendre le contrôle de la ville. Eu égard à cette déclaration de guerre, puisque ce acte ne peut pas être qualifié autrement, la République du Mali est désormais en guerre. Et nous allons apporter les réponses appropriées à cette situation. Samedi, les affrontements ont fait ici 36 morts, dont 8 soldats maliens, selon le gouvernement. Moussa Mara a dénoncé, je cite, « la passivité de la force française Serval et de celle des Nations Unies, la MINUSMA ». Il s'agit en tout cas d'une nouvelle illustration de l'instabilité du pays, 16 mois après l'arrivée des troupes françaises.